のブースにやってまいりました。プレイステーション3はね、もちろんなんですけれども、PSP、そしてプレイステーションムーブ、そしてさらに 3D ゲーム。さあ、一体ソニーさんのブースにはどんなタイトルが君たちを待っているのか、これからお見せしますよ。Comme chaque année, une grande partie du stand est occupée par les éditeurs tiers qui développent sur console Sony. On peut citer en vrac Tactics Ogre de Square Enix, Monster Hunter Portable 3 de Capcom, la suite de Dissidia, encore chez Square Enix, et toujours chez le même éditeur, la suite de Parasite Eve, The Third Birthday. Juste à côté, on trouve le rival de Monster Hunter, God Eater Burst de Namco Bandai, ainsi que le dernier PES de Konami. Mais nous reparlerons de tous ces jeux plus en détail lorsque nous irons sur les stands de leurs éditeurs respectifs. Revenons au stand Sony. Ici, on pouvait distinguer deux pôles, l'un occupé par les jeux utilisant le PS Move et l'autre avec les jeux se contrôlant de manière traditionnelle. Parmi ces derniers, il était difficile d'échapper à Gran Turismo 5. Il fait partie des jeux que l'on attend depuis maintenant bien trop longtemps pour être enthousiaste à ces nouvelles annonces. Pourtant, Sony profite du TGS pour nous dévoiler un peu plus de features concernant sa simulation de course à venir, et force est de constater qu'en regardant ces images, on leur pardonnerait presque ce retard hallucinant. On apprend ainsi qu'en plus d'un cycle jour-nuit, certaines courses, celles d'endurance notamment, pourront être sujettes à des changements climatiques. Les équipes de Polyphony Digital ont également confirmé la présence de courses populaires issues d'anciens épisodes de Gran Turismo, comme Trial Mountain ou encore Laguna Seca. Toujours dans les nouveautés, on relèvera l'interactivité avec le My Home de la PlayStation 3 qui devrait renforcer l'aspect communautaire et permettre aux joueurs de partager des courses ou tout simplement de s'affronter en ligne. Rappelons enfin que Gran Turismo 5 devrait sortir le 3 novembre 2010. Toujours au rayon des suites, on pouvait retrouver Patapon 3 sur PSP. Le premier épisode sorti en 2008 avait apporté un petit vent de fraîcheur sur la portable de Sony avec sa direction artistique signée Rolito et son gameplay sympathique. Ce troisième épisode permettra de contrôler un héros patapon aux allures de super chevalier qui sera capable de faire toujours plus de dégâts à condition de taper sur les boutons en rythme. D'autres modes seront disponibles comme un mode online supportant jusqu'à 8 joueurs. Le RPG PSP Shirokishi Monogatari, épisode portable Dogma Wars, était aussi présenté mais sous forme de trailer seulement. Il ne s'agit pas d'une suite à White Knight Chronicles, mais d'une histoire se situant 10 000 ans plus tôt qui relate comment sont nés les chevaliers, ces créatures à la force incommensurable qui seront cette fois-ci les ennemis du joueur. Tokyo Jungle peut se placer directement dans la catégorie des ovnis de chez Sony. Prévu sur PS3, il s'agit d'un jeu d'action survie dans lequel des animaux vont devoir lutter les uns contre les autres dans un Tokyo dévasté et dépourvu de toute trace d'humanité. Le joueur contrôlera 50 espèces différentes dans des niveaux bourrés d'action à réaliser sous forme de QTE. Le premier niveau, jouable sur le salon, plaçait le joueur aux commandes d'un loulou de Poméranie chargé d'attaquer des lapins avant de les manger. Tout un programme. Si beaucoup d'autres jeux étaient présents, la part belle était quand même donnée cette année au soft utilisant le PS Move, le nouvel accessoire de Sony. On notera que certains d'entre eux étaient d'ailleurs optimisés pour être joués en relief 3D, à condition de porter des lunettes dédiées. C'est le cas de Nikudan, un jeu de combat de rue. Comme vous l'aurez compris, il s'agira de donner des coups à son adversaire en tenant un PS Move dans chaque poing. Slurking est une simulation de billard à tendance réaliste à laquelle on pourra désormais s'essayer en 3D. Les jeux de réflexion sont aussi présents avec Tsumiki Block, un puzzle en 3D où il faut empiler des objets les uns sur les autres. Sans surprise, un rail shooter était aussi présenté, Shooting Studio, qui propose un environnement original puisqu'il s'agira de tirer sur des ennemis en carton surgissant dans un studio télé. D'autres jeux déjà sortis, comme Everybody's Golf, sont customisés pour être jouables en 3D.本当にね、 3D とかね、すごいテクノロジー、さすがソニーって感じだしたね。それでこのソニーブースでさった果たしてアンちゃんは一体どんなゲームを遊んだのですか？早速アンちゃんを呼んでみましょう。アンちゃん、どんなゲームで遊んだの？Voilà, donc là on monte, on
va aller jouer à Echo Chrome 2, donc ça s'appelle Mugen Kaero en japonais, et qui utilise le PlayStation Move. Donc le premier épisode, en fait, c'était c'est un jeu de puzzle très concept qui était sur PlayStation Portable. Là, le deuxième, c'est sur PS3. Et ça va tout se jouer avec l'ombre et la lumière. Donc on va se servir du bâton du PS Move comme d'une torche. Et on va aller voir tout de suite, c'est le booth numéro 13, c'est ici. En fait, pour jouer, on reçoit un petit ticket comme ça, donc on a le droit de jouer pendant 10 minutes, il faut se présenter à l'heure, et voilà. Donc il y a le titre du jeu, Mugen Kaero, donc les couloirs sans fin, et qui s'appelle la boîte de l'ombre et de la lumière. Voilà. Voilà, donc je triche un peu, en fait, j'ai déjà essayé le jeu tout à l'heure, ça ira plus vite. Hop, voilà. On a toujours le petit bonhomme qu'il faut faire atterrir. Donc avant, il fallait gérer en fait la perspective, comme dans les tableaux de Escher. Cette fois-ci, c'est vraiment avec l'ombre et la lumière. Donc mon personnage avance, en fait, il avance tout le temps. C'est à moi de le diriger. Voilà. Et là, j'ai fabriqué une sortie, comme ça. Donc là, voilà, c'est le premier niveau. C'est assez facile, mais ça se complique au fur et à mesure. Ouais, il y a les gens qui m'applaudissent. C'est trop cool. Donc on va prendre le stage 2. Donc voilà, vous avez vu, donc là j'ai ma torche et c'est en éclairant les objets que je vais pouvoir fabriquer des éléments sur lesquels mon personnage va pouvoir se déplacer. Donc hop, il se déplace. Je peux le faire accélérer si je veux, pour qu'il aille plus vite, hop. Mais enfin voilà, s'il tombe, il tombe et il meurt et il faut recommencer le stage. C'est un... Ah voilà, je vais y arriver. J'ai fait un... Ah... J'ai eu un serpent, voilà, c'est magnifique. Oui, donc voilà, contrairement au premier épisode où on gère plus la profondeur, là c'est vraiment on gère l'ombre et hop là on saute et je vais essayer de... Voilà, et je vais arriver dans le... au goal. Il y a autre chose à rajouter ou...